m'appelle Daniel Kinder, je suis directeur général de Curare France, filiale du groupe Curare. Curare, c'est une entreprise, une multinationale d'origine japonaise qui offre des produits à des industries très variées telles que la cosmétique, la détergence, l'industrie du verre, le traitement de l'eau, le traitement des gaz, etc. À vrai dire, je connaissais bien l'ancêtre du VIE, qui était le VSNE, volontariat au service national en entreprise, puisque j'ai été moi-même VSNE il y a quelques années. J'avais imaginé que le VSNE avait disparu avec la disparition du service national. Et je me suis aperçu, en étant en contact avec différents services de Business France, nous avions une mission qui a été remplie par Business France en Afrique du Sud. On avait besoin de trouver un partenaire localement. Et la personne qui m'a permis de trouver le bon partenaire était un VIE. On a choisi, nous, un VIE régional, c'est-à-dire quelqu'un qui rayonne sur une zone géographique plus large qu'un seul pays. On a une flexibilité avec le système VIE, puisqu'on a des contrats qui vont de 6 mois jusqu'à 24 mois. On a choisi, nous, de faire un contrat d'une année qu'on a renouvelé. Économiquement, c'est une façon d'approcher des marchés nouveaux pour nous qui est tout à fait appréciable, puisque ce n'est pas un investissement très lourd. En Tunisie, on a choisi un VIE régional. Donc la Tunisie, c'est un endroit qui permet de rayonner. Notre VIE parcourt non pas le monde, mais une bonne partie de l'Afrique et un peu du Moyen-Orient. Et ce que ça nous a apporté, clairement, c'est des contacts, une visibilité sur ces marchés qu'on ne connaissait pas. Et ça nous a apporté des nouveaux partenaires. Donc on a déjà des nouveaux clients sur trois pays, que sont la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Liban. Et puis on a d'autres pays où on espère effectivement avoir des développements très rapides, comme l'Égypte par exemple.